Rencontre avec Pascal Brunner. Dans les années 90, Pascal Brunner était une véritable star. Animateur de l'émission culte Facile à chanter, qui réunissait en moyenne plus de 5 millions de téléspectateurs tous les soirs, il était au sommet de sa carrière. Mais comme beaucoup avant lui, l'homme détruit par le star system a sombré peu à peu. Après l'arrêt de son jeu et de longues années de galère, il a décidé de raconter son histoire dans une autobiographie poignante. Gloire, galère, cancer, je paye la note. Nous le retrouvons ce soir, à Drape, pour une partie de sa vie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Star Johnson, mais déjà un peu à l'Écriture de la Côte d'Azur. Ah, oh, ben non, je vais faire partie du Pipal. Eh ben voilà, c'est génial. Ça. Encore une fois. Ben, je suis ravi. Voilà, ben, donc on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et puis, ben, on voudrait savoir un peu votre carrière, comment vous êtes devenu le grand Pascal qu'on connaît tous. Voilà, si vous pouvez donner un peu des conseils aux personnes qui voudraient devenir un peu comme vous, suivre votre carrière. Moi je serais. J'ai pas mal de jeunes gens qui viennent me voir souvent en me demandant comment on fait. Alors, c'est vraiment le problème. Alors, je conseille une jolie carrière qui s'appelle le Club Med, les cabarets et après la scène. Et c'est là qu'on est le mieux. Est-ce qu'on va vous retrouver prochainement donc sur scène? Alors bon, comme tout le monde le sait maintenant, j'ai eu un cancer de la gorge. Donc je suis en train de rééduquer ma voix et normalement je serai sur scène au mois d'octobre dans une pièce qui s'appelle Ma femme s'appelle Maurice. D'accord. Qui avait été joué par Chevalier et Las Malès, et donc je vais reprendre la scène, voilà. Ok, bon ben c'est super, ça sera la date? Quelle sera la date? La première a lieu à Cannes-sur-Mer, je ne l'ai pas encore, mais d'accord. On ne sera pas loin. D'accord, bon ben très bien, ben alors on vous retrouvera avec plaisir. Sans problème. Voilà, ben on vous remercie. On c'est moi qui vous remercie. Une bonne soirée. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir. Il retourne aujourd'hui à ses premières passions, sa première histoire d'amour, l'imitation.